Ouais, c'est sûr que c'est pas ce que tu es, hein? C'est sec, sec, sec. Ouais, mais c'est généralement... Ah non, ça n'a pas l'air à vouloir se présenter autrement, hein? Oh. Avez-vous un problème? Ah, oh, Mme de Verchères, il a pas assez mouillé, fait que la récolte a tout chassé. Ah, mais c'est la volonté du Seigneur! Le Seigneur, vous voulez dire l'intendant Bigot, le responsable de la seigneurie? Non, le Seigneur dans le ciel. Ah oui, bon. Donc, Bigot s'occupe pas du tout de l'irrigation? Je veux dire, le Seigneur fait rien pour vous. Pas le Seigneur dans le ciel, je veux dire le Seigneur dans le manoir. Y en avez-vous parlé? Ben non. On veut pas le déranger, il est ben trop occupé. Il prépare un bal à soir pour 50 personnes. Votre seigneur, là, c'est rien qu'un sale profiteur sans scrupules. Sacrilège! Non, pas le seigneur, dans le ciel. Oh, puis laissez faire. Monsieur le gouverneur, pendant que les colons crèvent de faim, l'intendant Bigot organise une sauterie pour 50 pourris comme lui. Mm-hmm. Hey! C'est effrayant! Il faut que vous alliez lui parler. Je peux pas. Pourquoi? Je voulais pas y aller à son maudit bal. Fait que je lui ai dit que j'avais une grosse migraine. Si je vais le voir, j'ai l'air fou. Quoi? J'haïs ça, ces soirées-là. Allez-y, parlez à Bigot, vous. Vous êtes si mignonne quand vous êtes fâchée. Bon. Franchement! C'est un ordre du gouverneur! Ouf. Maintenant, excusez-moi, j'ai une grosse migraine. Ouf. Ouch! Oh, silence! Oh. Ouch! Aïe, aïe! Non, mais je comprends bien ce que vous me dites, Madame de Verchères, mais faut pas croire que je fais ça juste pour le plaisir. Oh, un bal, c'est pas pour le plaisir. Les enjeux sont très élevés. C'est pas juste pour danser, c'est des relations publiques. C'est bon pour la seigneurie. Puis si c'est bon pour la seigneurie, ben c'est bon pour ma gang de colons. Bon, là, franchement. Mais quoi, là? Colonie, colon, colonne, c'est le terme technique. Allez donc! N'empêche que vous en profitez pour vous payer du bon temps. Absolument pas! C'est très angoissant, les relations publiques. Oh! Très bien, les truffes. Résultat, je mange sans arrêt. Je mange mes angoisses. Oui, bon, OK. En attendant, là, vous pourriez faire quelque chose pour les colons. L'irrigation, par exemple. L'irrigation des colons? Je pense pas qu'on est rendu là. Mais vous avez l'air de croire que je roule sur l'or. Mais j'en arrache, moi! Oh! C'est mes pantoufles de bal qui arrivent de Paris! J'avais peur qu'elles soient pas là à temps. Des pantoufles de bal, livrées par bateau, ça doit coûter une beurrée, ça? C'est des pantoufles de fonction! Bon, prenez-vous une truffe en attendant, là, vous allez voir, ça calme. Non, je pars pas d'ici avant que vous fassiez quelque chose pour les colons. Oh, les musiciens sont arrivés! Très bien. Allez guérir les colons. J'ai une idée. Mes amis, je suis très sensible à votre malheur et à cette terrible inondation. Excusez, c'est une chasseresse. Merci. Pour soulager votre chasseresse, j'ai pris une grande décision. Je laisse les fenêtres ouvertes pour que vous puissiez avoir le plaisir d'entendre dès maintenant la musique qui sera jouée ce soir. Ne me remerciez pas. C'est de bon cœur. Colonne, on va pas se laisser faire. Oh, taisez-vous, là. On va entendre la toune. Quoi? Oui, c'est beau, cet air-là. Le Seigneur est bien bon. Ça me fait plaisir, ma brave dame.